Le top 10 des clubs sportifs les plus valorisés au monde. Forbes répertorie chaque année les clubs les plus valorisés du monde. En 2020, un nouveau classement est apparu. En effet, si tu suis cette vidéo, c'est sûr que tu veux connaître les 10 clubs sportifs les plus valorisés du monde. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne et pour ne pas rater mes prochaines vidéos, active la cloche de notification. Également, si tu souhaites gagner assez d'argent et profiter de la vie, clique sur le lien dans la description pour avoir accès à 3 vidéos gratuites qui t'apprendront à gagner de l'argent sur internet depuis le confort de ton domicile. Commençons dès maintenant le classement par ordre décroissant avec en 10 la Juventus, pour une valeur de 1,512 milliards d'euros. En 2020, la Juventus est le seul représentant de l'Italie. Au cours de la dernière saison, les Turinois ont gagné 480 millions d'euros. La Juventus est le meilleur club d'Italie ces dernières années. Les Bianconeri ont remporté les 9 dernières saisons et ont atteint la finale de la Ligue des Champions à 2 reprises. Cristiano Ronaldo influence également fortement les revenus du club. Son transfert du Real à la Juve a augmenté la valeur des actifs de Bianconeri et le potentiel marketing. Elle est actuellement à plus de 1,512 milliards d'euros de valeur nette. Le 9e est Tottenham, avec une valeur de 1,624 milliards d'euros. La place de Tottenham au sommet est due exclusivement à l'histoire anglaise. Malgré leurs résultats médiocres et le manque de joueurs de haut niveau, les Spurs restent l'un des clubs les plus valorisés du monde. En effet, Tottenham a reçu plus de 240 millions d'euros de redevances télévisées au cours de la saison 2019-2020. Toujours en 2019, le club a déménagé dans un nouveau stade, ce qui a augmenté la fréquentation. Une moyenne de 43 757 personnes, le quatrième le plus élevé de la Premier League. Tout cela a conduit à un chiffre d'affaires important de 511 millions d'euros pour la saison 2019-2020. En 8e position vient Liverpool avec 2,183 milliards d'euros. En 2020, Liverpool est devenue champion pour la première fois depuis 90. En effet, elle est le 8e club le plus riche du monde pour la 4e année consécutive. Bien qu'il n'ait commencé à afficher de bons résultats que depuis 2018, le coût élevé du club est directement lié à son histoire et à sa base de fans. Liverpool est le club anglais le plus titré et il soutient également le plus de gens en Angleterre. Un total de 43 trophées à cause des Merseyside, à commencer par les coupes, championnat d'Angleterre, se terminant par les 6 titres de la Ligue des Champions. Arsenal est le 7e sur la liste avec une valeur de 2,268 milliards d'euros. Arsenal remporte régulièrement la Coupe d'Angleterre. Il a été pris d'assaut ces dernières années et cela affecte leur place dans le top des clubs les plus valorisés du monde. En 2010, les Gunners étaient à la 3e place du classement et en 2020, ils sont glissés à la 7e. Ils sont maintenant dans le top 10 par de bonnes performances dans les tournois et de coupes et par les fans. Arsenal mise sur les Coupes d'Angleterre en Première Ligue et en Ligue des Champions. Le club a peu à opposer à ses rivaux. En 6 saisons, les Gunners ont remporté 3 fois la FA Cup et une League Cup et 4 Super Cup. Les Londoniens occupent également pendant 2 saisons consécutives la 2e place dans la liste des clubs les plus visités derrière Manchester United. En 6e position, on a Chelsea pour une valeur de 2,576 milliards d'euros. Chelsea a pris de la valeur au détriment de la jeunesse. Il est devenu le leader du changement de valeur au cours de la saison 2019-2020, mais n'a même pas réussi à se hisser dans le top 5. Pourtant, la 6e ligne du classement des clubs de football les plus valorisés du monde en 2020 est déjà un exploit. Depuis 2007, le club n'a atteint le top 6 qu'à 2 reprises. En outre, l'augmentation de valeur de 644 millions d'euros est due à l'interdiction de transfert pendant un an. Depuis la fin de la saison 2018-2019, le club n'a pas pu inscrire de nouveaux joueurs. C'est pourquoi la direction a décidé de s'appuyer sur les nouveaux arrivants. La nouvelle stratégie a permis à Chelsea de ne pas être dans le rouge en matière de transfert pour la première fois en 5 ans. Au total, les Londoniens ont vendu des joueurs pour 157 millions d'euros pour la saison 2019-2020. L'interdiction de transfert a été levée après la publication de cette note par Forbes. Cependant, grâce aux rumeurs de grosses signatures et d'économies d'argent, la valeur totale du club a considérablement augmenté. À la 5e place, nous avons Manchester City pour une valeur de 2,688 milliards d'euros. Manchester City a de riches sponsors. Ils grimpent en effet de plus en plus dans le classement chaque saison grâce à un sponsor super riche. Sheikh Mansour est propriétaire du club depuis 2008. Sa fortune est estimée à 20 milliards d'euros. Depuis le moment de l'achat, les revenus de City augmentent chaque année. Si, lors de la saison 2007-2008, le bénéfice net des Citizens était estimé à 20 millions d'euros, à la fin de la saison 2011-2012, il était déjà de 117 millions d'euros. De même, la place de Manchester City au sommet est due au succès des tournois nationaux anglais.
Grâce au financement, le club a commencé à remporter des trophées depuis 2008, City est devenu 4 fois champion et a remporté 5 Coupes de la Ligue, 2 FA Cup, 2 FA Super Cup à 3 reprises. Sur la scène internationale, les Citizens n'ont pas encore réussi. Leur résultat maximum est la demi-finale de la Ligue des Champions. Leur réseau de clubs parle également en faveur pour la 5ème place. City fait partie du Holding City Football Group qui regroupe plusieurs clubs à travers le monde. Un tel réseau permet à la holding d'étendre son rayonnement de marque et d'augmenter son capital. As-tu envie de gagner assez d'argent pour vivre une vie épanouie et libre? Si oui, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description qui donne accès à 3 vidéos gratuites destinées à t'apprendre à gagner de l'argent sur internet depuis ta maison. Maintenant que tu as découvert la surprise, découvrons ensemble le club à la 4ème position dans la suite de cette vidéo. Et c'est le Bayern de Munich, avec 3,24 milliards d'euros. Le Bayern a remporté la Ligue des Champions en 2020. Il fait partie des 10 clubs les plus titrés au monde. Néanmoins, ils ne sont même pas entrés dans le top 3 des plus valorisés du monde. La raison en est la politique marketing du club. Les 3 meilleurs clubs se concentrent sur l'internationalisation de leur marque, également sur l'acquisition du plus grand nombre de fans au monde. La Bavière, en revanche, se concentre sur le marché allemand. Ce n'est qu'en 2014 que la direction s'est concentrée sur la capitalisation de l'audience asiatique, la plus nombreuse et la plus prometteuse en termes de revenus potentiels. Ainsi, l'un des meilleurs gardiens du monde joue pour le Bayern. Bien qu'il soit classé 4ème dans la liste des clubs les plus valorisés du monde, le Bayern affiche d'excellentes performances financières. Le club termine chaque saison avec un bénéfice, les Bavarois n'ont pas de dettes, ils effectuent des virements avec leurs propres fonds. En 3, Manchester United pour une valeur de 3,808 milliards d'euros. Manchester United est dans le top 3 des clubs les plus valorisés du monde grâce à la politique financière de la direction. Lors de la saison 2019-2020, Manchester United a gagné 795 millions d'euros. La plupart des revenus provenaient de leurs sponsors. Par exemple, Chevrolet Lorvers en moyenne 80 millions de dollars par an et Adidas 75 millions. La chute de United de la Premier League en un an est due aux mauvais résultats du club. Lors de la saison 2019-2020, ils n'ont pas joué en Ligue des Champions, c'est pourquoi ils n'ont pas reçu de prix en argent. Ils ont également pris la 3ème place à la fin de la saison et ont abandonné les tournois de coupe lors de la phase de demi-finale. Les mauvais résultats ont affecté le prestige du club et son activité pour les futurs sponsors. À la 2ème place, nous avons Barcelone pour une valeur de 4,205 millions d'euros. Barcelone gagne de l'argent avec le nom de Messi. Malgré ses scandales constants, Barcelone est toujours dans le top des clubs les plus chers du monde. Cela est dû à la grande base de fans dans le monde et à la présence de la superstar Lionel Messi. L'Argentin, même dans les moments difficiles pour son club, est capable de remplir à lui seul des stades. Ainsi, il rapporte au club un bon revenu par sa simple apparition sur le terrain. Barcelone est en tête non seulement grâce à ses fans, mais aussi grâce à ses résultats. 4 quarts de finale, 2 demi-finales et une victoire en 6 saisons pour la Ligue des Champions. Enfin, à la première place du classement, on retrouve le Real Madrid pour une valeur de 4,239 milliards d'euros. En 2020, le Real est devenu champion de la Liga. Il est le club de football le plus valorisé du moment. Madrid est au sommet depuis longtemps. Beaucoup de gens d'Asie se sont enracinés pour le crémeux. Il s'agit d'un marché concurrentiel qui rapporte beaucoup d'argent grâce à la vente de marchandises et de billets pour les matchs. Une grande partie du succès de Madrid est associée au succès en Ligue des Champions. Le club de Zinedine Zidane est devenu 3 fois de suite champion du tournoi européen le plus prestigieux. Il a également obtenu un afflux important de fans. Toujours au cours de la saison 2019-2020, les crémeux sont devenus champions de la Liga. Ainsi, ils interrompent la séquence de victoires de Barcelone. As-tu des suggestions de clubs les plus valorisés au monde ou des questions liées à la valeur nette? N'oublie pas de m'en faire part dans les commentaires. Également, abonne-toi et like la vidéo. Je t'invite aussi à télécharger gratuitement 3 vidéos qui t'apprendront à gagner de l'argent sur internet depuis le confort de ton domicile en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Merci du visionnage et à bientôt dans une nouvelle vidéo.